Un vent terrible, à ne pas mettre un goéland, même breton, dehors. Un vent violent, un vent à décorner les bœufs, selon la formule consacrée, règne en maître absolu sur la baie de Quiberon. Pour les sportifs aguerris, les gladiateurs de l'océan, les gladiateurs de l'écume, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, surtout lorsqu'ils tombent au beau milieu des vacances pascales. Alors le spectacle sur le plan d'eau est permanent, mais avec un tel déchaînement des halles, les mouettes se cachent. Et notre caméra de télévision, qui pèse tout de même pas moins de 8 kilos, a bien du mal à rester debout. On ne voit pas souvent les adeptes de la planche à voile à l'isthme de Penthièvre, mais lorsque le vent est déchaîné, que les conditions sont optimales, ils n'hésitent pas à parcourir des centaines de kilomètres pour venir pratiquer leur sport. Et ils ne sont pas déçus. Difficile tout de même d'enchaîner les figures, et lorsque les écluses célestes se vident, toute la joyeuse troupe sportive rentre très rapidement au bercail. Autrement dit, attend que la pluie ou le grain, comme disent les marins bretons, cesse.